Bonjour tout le monde, I'm Cassie, your French tutor, so you can learn French the French way. And today we're gonna practice a bit. So I want to test your conjugation skills. So tell me one thing, are you able to fill in these sentences? Or maybe translate these texts? That's what we will see today. Okay, so the lessons from past months were all about verbs. We learned être, avoir, but also aimer, remember? That was about how to express what you like or dislike. So we had aimer, but also adorer, détester, etc. Et évidemment, si tu n'as pas vu les vidéos, je te les mets par là. And today we're gonna put all that into practice. Donc t'es prêt? On y va. Exercice numéro 1, le verbe être. For this exercise, I'm gonna give you a few sentences. They're gonna show here, and I'm gonna ask you to fill them in. So, you will have the entire sentence. Not the verb, you're the one who's gonna conjugate it. The verb that you need to conjugate is only être, at least for this exercise. T'es prêt? First one, with vous, mes meilleurs amis. Vous êtes mes meilleurs amis. Ensuite, elles, toujours joyeuses. Elles sont toujours joyeuses. Nous, prêts pour l'examen. Nous sommes prêts pour l'examen. Je, très content de te voir. Je suis très content de te voir. Il, 14h. Il est 14h. Tu, un étudiant très sérieux. Tu es un étudiant très sérieux. Et ça, je sais que c'est vrai. Il, bon au foot. Ils sont bons au foot. Elles, en retard à la réunion. Elle est en retard à la réunion. So let's recap. Je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont. And in this exercise, we saw the words. Amis, friends, joyeuse, joyeux, joyful or happy. L'examen, well, a test, an exam. Content. Alors content, you would think that it is like content, but it's more like happy. It is slightly less intense than happy, which is heureux in French. Heure, we saw it already, right? So it is what you say after the time. It means hours. Sérieux, serious. Étudiant, student. Bon, good. Être en retard, to be late. And then whatever you want. Exercice numéro 2, le verbe avoir. Okay, so for this one, same concept. You're gonna have a few sentences, you only conjugate with the verb avoir. Not être anymore, but avoir. Oh, that was my best French accent. Not être anymore. Nous, un rendez-vous cet après-midi. Nous avons un rendez-vous cet après-midi. Vous, des questions à ce sujet. Vous avez des questions à ce sujet. Je, 29 ans. J'ai 29 ans. Tu, deux grands frères. Tu as deux grands frères. Yep, got my cat here. Mon chat. Il, une grande maison. Il a une grande maison. Elle, beaucoup d'amis. Elle a beaucoup d'amis. Il, le même âge. Attention, il avec un S. Le même âge. Ils ont le même âge. Elle, des animaux de compagnie. Elles ont des animaux de compagnie. Okay, so for the verb avoir, donc to have, let's recap. J'ai, tu as, il, elle, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. And the words we saw in that exercise are
cet après-midi. This afternoon. Des questions? Questions. En? Remember, en is what you say after your age, so it is the equivalent of years old, though it is not optional in French. Frère. Brothers. Maison. House. Le même. The same. Animaux de compagnie. Pets. Exercice numéro 3. Qu'est-ce que j'aime? Okay, for this exercise, I'm gonna tell you a few sentences. So, 5 sentences in total. Don't focus too much on the meaning. Try to spot the words that you understand, of course. Even if you don't understand the entire sentence, it shouldn't be a problem. Okay? So, in these sentences, I'm gonna tell you one thing that I like and one thing that I dislike. And you're gonna tell me which one I like. Always like, not dislike. Let's be positive a bit. J'aime la nature, mais je n'aime pas les insectes. J'aime la nature, mais je n'aime pas les insectes. So what do I like? La nature? The nature? Ou les insectes? Insects. Ce que j'aime, c'est la nature. J'aime la nature. Je n'aime pas trop la pluie, mais j'aime bien la neige. So which one do I like? La pluie? The rain? Or la neige, the snow. J'aime la neige, j'aime bien la neige. J'adore la mer, mais je déteste les méduses. J'adore la mer, mais je déteste les méduses. Est-ce que j'aime la mer, the sea, or les méduses, the jellyfish. Clearly, clairement, j'aime la mer. J'aime lire des livres d'aventure. Mais pas des livres romantiques. J'aime lire des livres d'aventure, mais pas des livres romantiques. So what kind of books do I like? Aventure? Adventures? Ou romantique? Well, romantic, romance. Moi, j'aime les livres d'aventure. Et le dernier, j'ai horreur du fromage, mais j'aime beaucoup la pizza. J'ai horreur du fromage, mais j'aime beaucoup la pizza. And if you saw past videos from me, you already know, even without really understanding, you will know. Est-ce que j'aime le fromage ou la pizza? Clairement la pizza, sans aucun doute possible. Exercice numéro 4, remets dans l'ordre. Okay, so it's already the fourth exercise. And for this one, I'm gonna tell you sentences again. And you're gonna put them back in order from what I dislike the most to what I like the most. Of course, they won't be in the correct order in my sentence. You're gonna put them back in order. T'es prêt? Allez! J'aime cuisiner, mais j'aime encore plus manger. Par contre, je déteste faire la vaisselle. J'aime cuisiner et j'aime encore plus manger. Par contre, je déteste faire la vaisselle. What I dislike the most. Je déteste faire la vaisselle. I hate doing the dishes. J'aime cuisiner. J'aime encore plus manger. So, even more. J'aime beaucoup voyager, mais pas en avion. En voyage, j'adore parler d'autres langues. J'aime beaucoup voyager, mais pas en avion. En voyage, j'adore parler d'autres langues. Donc, pas en avion. I don't like the plane. Pas, it's negative. That's what I don't like. Donc avion, that goes here, the plane. Le voyage, j'aime beaucoup, is less intense than j'adore parler d'autres langues. J'adore is at the top. Donc j'aime beaucoup voyager. I like even more talking other languages when I'm in a trip. Au cinéma, j'aime beaucoup regarder des films amusants, des comédies. J'aime bien les films d'aventure aussi. Mais je n'aime pas vraiment les films d'horreur. Au cinéma, j'aime beaucoup regarder des films amusants, des comédies. J'aime bien les films d'aventure aussi. Mais je n'aime pas vraiment les films d'horreur. So, horror movies? Les films d'horreur? Not my jam. Used to be, not anymore. Donc, en dernier. So, it is between comedies, les films amusants, les comédies, and adventures movies. Donc, les films d'aventure. So what I said is, j'aime beaucoup
Les comédies? J'aime bien les films d'aventure. Beaucoup? A lot is stronger than bien, which is... Yeah, ok. Well, donc, films d'horreur, films d'aventure et comédies. Exercice numéro 5. Traduis ce texte. And it is already the last exercise, so on that screen, you're gonna see a text that I will read, of course, for you. And I'm gonna ask you to try to translate it. Here you're gonna have the vocabulary to help you, and also because there are words, some of them, that we haven't seen yet. So I'm gonna ask you to translate. I'm helping you. No worries. Take your time and press pause if needed. Pendant les vacances, je suis très heureuse. J'ai du temps libre pour m'amuser et découvrir de nouveaux endroits. J'aime aller à la plage. J'aime beaucoup passer du temps seule, car j'adore prendre des photos et me promener tranquillement. En vacances, je suis détendue. J'ai du temps pour me reposer. Je ne suis pas stressée par le travail. Mais j'aime aussi rentrer chez moi ensuite. Pendant les vacances, je suis très heureuse. J'ai du temps libre pour m'amuser et découvrir de nouveaux endroits. J'aime aller à la plage. J'aime beaucoup passer du temps seule, car j'adore prendre des photos et me promener tranquillement. En vacances, je suis détendue et j'ai du temps pour me reposer. Je ne suis pas stressée par le travail, mais j'aime aussi rentrer chez moi ensuite. So how did it go? I'm sure you've made significant progress already. You did great effort today, but keep practicing. Don't forget to subscribe to my newsletter. That will be in the description if you haven't subscribed yet. So you will receive 2 free lessons every month with exercises. And guess what? You get feedback from me every time. Like, I answer all my emails. So go ahead, just subscribe to the newsletter if you're really serious. But I know that tu es sérieux. Tu es un étudiant sérieux. And now it's time to say à la semaine prochaine. Salut!